look. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour la nouvelle leçon? Allez, on va attendre un peu avant de commencer. On va attendre que tout le monde soit là, puis on va commencer. D'accord? Bonjour les enfants, bonjour Rawand, bonjour Asma, bonjour Mohamed, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous écoutez bien? Est-ce que vous me voyez? J'espère que la connexion me permet de continuer la leçon. La connexion, ça va pas du tout aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes tous là? Bonjour les enfants, bonjour les filles, comment allez-vous? Donc, c'est notre troisième leçon aujourd'hui. Donc, on va résumer un peu. Bon, pour la première leçon, nous avons vu la phrase minimale, la phrase maximale. Nous avons vu comment enrichir une phrase. Nous avons vu comment enrichir une phrase minimale en employant les adjectifs qualificatifs et en employant les compléments. Pour la deuxième leçon, nous avons vu comment enrichir le groupe nominal avec des adjectifs et comment accorder ces adjectifs avec les noms qu'ils accompagnent. On va voir autre chose. On va parler du sujet et du verbe dans la phrase. Donc, comment on peut connaître le sujet et comment on peut connaître le verbe dans une phrase. Ensuite, on va chercher la relation entre le sujet et le verbe. D'accord?
Allez, pour cela, on va commencer par une petite phrase. Donc, regardez la phrase au tableau. Donc, de ma classe participe à la fête. Les élèves de ma classe participent à la fête. Donc, une autre phrase, le directeur de félicite les élèves. Est-ce que vous voyez bien les phrases? Les élèves de ma classe participent à la fête. La ces deux phrases selon leur grand constituant. Donc, je rappelle bien les deux. Participe à la fête. Nominal sujet. Et celui-là, c'est le groupe verbal. Est-ce que donc, je crois que la vidéo a été interrompue. La deuxième dans le et celui-là, c'est le groupe nominal sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous me voyez ou non? Donc, je vais répondre par je crois que la vidéo a été interrompue. Allez, on va continuer. Donc, les élèves de ma classe participent à la fête. Le directeur de l'école félicite les élèves. Les élèves de ma classe, c'est le groupe nominal. Participent à la fête, c'est le groupe verbal. Le directeur de l'école, c'est le groupe nominal sujet. Félicite les élèves, c'est le groupe verbal. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est, on a déjà vu ça au début de l'année. Question.
On va souligner le verbe dans ces phrases, dans ces deux phrases. Donc, dans la première phrase, les élèves de ma classe participent à la fête. Où est le verbe dans cette phrase? Donc, c'est très facile. Le verbe, c'est participe. Participe, c'est le verbe. Maintenant, je vais poser la même question dans la deuxième phrase. Le directeur de l'école félicite les élèves. Où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est félicite. Une autre question. Ou bien une autre question. De qui on parle dans cette phrase? Qui participe à la fête? Sujet dans cette phrase. Participe, c'est le verbe. Donc, lorsque je dis que font ou bien de qui on parle? Qui participe ou bien de qui on parle? D'accord? L'action. Qui fait l'action? Ce sont les élèves qui font l'action. Ici, qui participe? Ce sont les élèves qui participent. D'accord? Que font les élèves? Les élèves participent à la fête. Donc, la deuxième phrase. Les élèves. C'est le directeur qui félicite. Donc ici, je dis, de qui on parle? De qui? Qui fait l'action? Qui fait l'action? Qui fait l'action du verbe? C'est le directeur qui félicite. Donc, pour connaître le sujet, je pose la question de qui on parle ou bien qui. Et pour connaître le verbe, je pose la question qui fait l'action ou bien de quoi on en parle. De quoi? Donc, pour le sujet, de qui donc, de qui on parle? Ici, on parle des élèves. Donc, qui fait l'action? Ce sont les élèves. Ou bien, que font les élèves? Que font? Qui fait l'action? Ce sont les élèves. Ou bien, que font les élèves? Directeur. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous écoutez bien? Je ne sais pas si vous écoutez ou non. في يخدم عادي يخدم عادي
Les enfants, je vais vous poser une question. Est-ce que vous écoutez correctement? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous me voyez et vous m'écoutez correctement? Et si, répondez par oui ou non, s'il vous plaît. La connexion est faible. Oui. Allez, on continue. سينو معناها زايد معناها الدرس نتاعنا من الاساس شوف في حاجات معناها دي كومونتير دي نابورت كوا Il faut faire des Est-ce qu'on peut continuer? D'accord, allez, on passe. Donc, pour connaître le sujet, donc, je pose la question de qui on parle ou bien de quoi on en parle pour connaître le verbe. Le verbe dans cette phrase. Les plantes sont des êtres vivants.
ensuite le groupe verbal. Être vivant. Ce sont les plantes. Ce sont les plantes. Donc, plantes, c'est le sujet. De quoi on en parle, bien sûr? Sans, c'est le verbe dans cette phrase. On voit bien. Ces créatures respirent Combien de verbes j'ai associés à ce sujet? À un sujet, mettre une relation donc entre le sujet et le verbe. Donc vous regardez ici. Lorsque j'ai parlé des élèves, les élèves c'est un nom au pluriel. D'accord? C'est le sujet au pluriel. Regardez participe. Participe se termine par ENT. Donc lorsque le sujet est au pluriel, je dois lui associer un verbe au pluriel. Le sujet au singulier, le directeur. Le directeur félicite, donc félicite, c'est aussi au sujet, le verbe est au sujet. La même chose ici. Les plantes, c'est un nom, groupe sujet au pluriel. Sans, c'est le verbe être au présent.